Sinaï, quand je suis bien bafé à figué. Tout ça va de l'eau chaillette, et t'y n'y en l'eau t'y aimé. Yo dis pas t'es ni guerrier, pour défendre anti-flammé. Silence, levé la mousson, puis chanter avec les alizés. Alors quand on parle d'urbanisme, d'architecture ou d'aménagement général de la Guadeloupe, on ne peut pas partir de ce que nous voyons aujourd'hui. On est obligé de repartir de 1635 à peu près, ce qui correspond aux premiers aménagements qui sont installés sur l'île. En fait, c'est la Compagnie des îles d'Amérique qui va établir les premiers aménagements en installant les trois piliers, c'est-à-dire l'armée, l'église et les colons. Et en 1848, on est à la date de la libération, de l'abolition de l'esclavage. Les employés n'appartiennent plus à l'usine. L'usine, Gardel, Darboussier, Beauport, qu'importe, car c'est partout le même schéma. Les propriétaires et les cadres sont blancs, et les ouvriers qui produisent la richesse sont noirs. La culture de la canne chez nous est liée à l'instauration de l'esclavage, car les colonies avaient pour vocation essentielle de fournir du sucre à la France et à l'Europe. Et donc le premier réflexe, c'est d'en sortir. Donc en sortir comment? Ceux qui ont un métier, qui ont eu la chance d'être formés à un métier particulier dans l'usine vont pouvoir partir. Certains vont même voyager. C'est le cas de ce qu'on appelle les nègres à talent, qui savent faire de la chaudronnerie, de la ferronnerie, de la charpente, etc. Alors que ceux qui ont juste coupé la canne, replanté, etc., n'ayant pas de qualification particulière, tout ce qu'ils vont faire, c'est sortir des limites de l'usine et s'installer le long des routes, en chapelet. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le paysage, ça n'a pas changé, c'est Sainte-Marie, La Boucan, Caranguez, etc. Donc tous ces chapelets de maisons installées de part et d'autre de la route, c'est juste le premier mouvement, je dirais, d'aménagement par les esclaves qui sont sortis de l'usine. Le 12 septembre 1928, la Guadeloupe est frappée de plein fouet par un terrible cyclone qui cause d'énormes dégâts à Pointe-à-Pitre. Une déferlante, traversant la baie, envahit les îlots de la Rade, tuant les malheureux qui s'y sont réfugiés et échoue les bateaux jusque dans les rues de la ville. Au total, la commune déplore des centaines de morts. Et quelques années après, autour de 1932 à peu près, un grand chantier va commencer parce que la colonie a besoin de réparer et de restaurer les bâtiments qui ont été abîmés. Elle va être entreprise par dessinée et conçue par un architecte qui s'appelle Alitur. Et bien sûr, pour construire, il va falloir faire venir des entreprises d'ailleurs, qui sont essentiellement des entreprises italiennes. Ils vont amener la technique du béton armé. 1946 arrive peu de temps après. Et là, c'est l'installation du département, donc la colonie devient un département. Et bien sûr, il faut aussi que le département s'installe. Le département s'installe et a besoin de fonctionnaires. Donc de fonctionnaires qui vont être recrutés localement, mais aussi de fonctionnaires qui vont venir de la métropole pour organiser le système du département. Petit à petit, avec 28, le pays s'est structuré, les emplois se sont un peu structurés. 46, c'est vraiment le bond en avant. 46 amène l'obligation de respecter les lois du travail et de donner des salaires aux gens. Et donc c'est là qu'on commence à avoir des vagues d'exode vers ces villes. Et ces vagues sont d'autant plus importantes quand elles correspondent à la fermeture d'une usine. Ils arrivent avec leur habitat qu'ils ont construit sur la route à la sortie de l'usine. Cet habitat qui est ingénieux, parce qu'on peut le mettre sur une charrette à bœuf, on peut le mettre sur un plateau de camion. Et bien sûr, cet habitat, il arrive souvent de nuit dans la ville et s'installe aux portes de la ville. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'assainissement. Et ce sont souvent des terrains autour de Pointe-à-Pitre qui sont inondés chaque fois qu'il y a une averse tropicale. Voilà. Donc des conditions de vie très précaires. Et c'est ce qui va déclencher à la première visite de Gaulle ce vaste projet de reconstruction de Pointe-à-Pitre. En 1956, le général de Gaulle vient en Guadeloupe. Alors, il est accueilli dans l'euphorie générale, évidemment, en tant que libérateur de l'Hexagone, auquel les Daumiens ont participé. Venir en Guadeloupe, arriver à Pointe-à-Pitre, il voit l'état
de la ville, des nombreux faubourgs paupérisés. Et donc pour lui, ça, ce n'est pas acceptable. Alors, on va adapter à Pointe-à-Pitre l'urbanisme corbusien hérité de Édouard de Charneret, dit Le Corbusier, qui est basé sur la séparation des fonctions urbaines, à savoir les quatre fonctions urbaines, se loger, on se loge dans une ville, on y travaille, la fonction travailler, on se déplace aussi, et on a tendance à l'oublier, on se détend aussi dans une ville. Donc, ce principe de la séparation des fonctions urbaines va être adapté à la ville de Pointe-à-Pitre. L'urbanisme progressiste prend corps en Guadeloupe avec la politique de planification et de rénovation urbaine, début des années 60, après le passage d'André Malraux en Guadeloupe en 1961, pour pouvoir faire acter par l'équipe communiste d'alors, le docteur Henri Bangou, une architecture influencée par l'architecture du célèbre architecte Oscar Niemeyer qui a construit Brasilia. Et donc, il n'y aura aucune difficulté pour qu'en Guadeloupe soit planifié un urbanisme élaboré sur la séparation des fonctions, habiter, se déplacer, travailler et se détendre, qui se retrouveront sur les quatre communes de la région pointoise de l'époque. La fonction habiter a été privilégiée, bien sûr, sur la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre des années 60. La fonction travailler a été, bien sûr, privilégiée sur la commune de Bemao. On a privilégié sur le territoire des abîmes la fonction circuler. Voilà pourquoi vous avez des rocades, des bretelles qui sont dignes de la région parisienne avec un effet de couronne en termes de tracé. Il reste la dernière fonction, la fonction se détendre. Le territoire de Gosier se prétend à l'aménagement de cette fonction. Et c'est comme ça qu'on a vu beaucoup d'hôtels, tous les L qu'on a connus, nos hôtels, Fontaine, etc., qui se sont développés sur le territoire de la commune du Gosier. La lecture critique, alors au départ, ça représentait certes une avancée, ça représentait une coupure nette par rapport à l'urbanisme créole que nous avions alors. Séparation des fonctions urbaines déjà. La rue de la ville créole, en rez-de-chaussée d'immeubles, vous avez des commerces, des activités, et à l'étage, vous avez la fonction habitat. Or, ça représentait une rupture nette. Première critique. Deuxième critique, c'est que l'architecture, ça ne représentait, même si ça représentait une certaine avancée, mais au fil du temps, l'architecture au niveau de la fonction habitée, les gens ne se reconnaissaient pas dans ce type de logement. Nous, on vit à la véranda, la galerie, la loggia, c'est quelque chose de très important en matière d'habiter. Et c'est comme cela que sur un petit territoire, de moins de 266 hectares, on aura la plus vaste rénovation urbaine de France de par son étendue. Donc je suis arrivé en 72 avec le maire Henri Bangou, évidemment aux commandes de la ville de Pointe-à-Pitre, très volontaire, très autoritaire entre guillemets, sachant ce qu'il voulait. Et c'était très clair, il fallait garder sa population sur son territoire qui était restreint, de moins de 300 hectares. Il fallait éventuellement, si possible, augmenter cette population en accueillant tous les gens qui arrivaient de la ruralité et qui cherchaient des boulots bien mieux payés. Donc c'était un travail technique extrêmement complexe, avec évidemment la dimension sociale ou sociologique d'accueillir des gens, non seulement des travailleurs simplement, mais avec leur famille. Donc, assurer l'école, par exemple l'école primaire pour les enfants, assurer les services médicaux, des choses comme ça, donc beaucoup d'enjeux, si vous voulez, indirectement ou collatéralement liés à la rénovation urbaine. Si vous voulez, le volume de population concerné, non seulement les gens de Pointe-à-Pitre, plus le territoire autour des abîmes qui était sous l'attractivité de Pointe-à-Pitre, c'était autour de 100 000 personnes. C'est-à-dire, à l'époque, c'était énorme. Mais surtout, il n'y avait pas d'autres régions, si vous voulez, qui concentrent en Guadeloupe une telle attractivité. Mais c'était comme ça. Oui. Alors, concernant le bâti lui-même, un bâti, c'est fait à l'usage de quelqu'un, en général. Bon, et c'est là qu'on a eu des décalages graves au début. Dans la mesure d'abord où tous les plans qui nous étaient adressés pour exécution étaient établis sur des copier-coller des logements sociaux de métropole. C'est-à-dire, entre autres, par exemple, la loggia était interdite. J'ai même le souvenir qu'on a eu à une époque un plan où nous avions envoyé du chauffage. Donc c'est très compliqué à vivre. Mais ça, c'est exceptionnel. Mais dans la vie courante, quelqu'un qui a vécu à la campagne tout le temps avec ses petites herbes à côté, son piment, etc., vous le mettez au 14e étage.
Mais on a vu des gens qui élevaient des lapins avec des baignoires totalement inadaptées. La baignoire servait quelquefois de lit pour le bébé ou alors de stockage. Les gens avaient besoin de garder cette liaison avec la nature et c'était très compliqué pour eux. C'est-à-dire sur une génération, mais je pense que la première génération a terriblement souffert. L'adaptation à cette vie urbaine a été probablement un calvaire pour beaucoup de gens. Et ça, c'est un revers, entre guillemets, de la réalisation urbaine. C'est un non-succès. Les architectes ont fini par, quelquefois, se dévoyer du copier-coller, compte tenu de certaines réflexions d'ordre technique, d'abord, que nous faisions, par exemple par rapport à la ventilation, à l'ensoleillement, etc. Ils ont quand même accepté de prendre des virages et de mieux adapter la construction aux contraintes locales. En répondant localement, parce que si on attendait une réponse de Paris, ce n'était pas la peine. C'était des fois des solutions techniques, d'autres fois des solutions politiques. Le maire à Bangou a quand même est beaucoup intervenu pour convaincre les gens. Il a assumé son choix qui était de ne loger que des pauvres qui étaient ailleurs et qui n'étaient pas acceptés dans les communes. Donc, chaque fois que vous savez, gagnant-gagnant, ça n'existe pas. Quand je vous retourne la médaille, vous voyez les revers. Alors après, faire un bilan en général, c'est des fois de l'ordre subjectif, et le subjectif, chacun à sa façon.